Praise the Lord. Alléluia. Prions. Seigneur, ton nom est l'ancien des jours. Nous te glorifions infiniment, Seigneur, pour ta dignité, Seigneur, pour ta suprématie. Alpha, Omega, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Sois élevé infiniment. Dignes-tu, agneau de Dieu. Dignes-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tes plans que tu as pour nos vies. Merci, Seigneur, car tu veux passer par ce temps pour nous délivrer, pour nous ramener vers toi. Nous te rendrons infiniment gloire. Sois élevé, Seigneur, que quelqu'un, que quelqu'une comprend ce message et s'engage et répond à ton appel, sois glorifié. Je prie, Seigneur, contre tous les esprits d'entêtement, tous les esprits d'excuse, tous les esprits de la négligence à disparaître dans la vie de tous tes enfants et que ton esprit les convainc à répondre à ton appel. Papa, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. À l'occasion du séminaire qui se tiendra en Israël spirituel du 15 août au 21 septembre 2018, l'année grégorienne, le Père des Nations, l'apôtre Douflé Gabriel, tient à vous donner les détails du programme et les activités respectives qui en découleront. Si le Seigneur le permettait, on pourrait rester tous ensemble quelques jours et prier après le séminaire. Et si le Seigneur le permettait, on pourrait faire des croisades après le séminaire. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pasteur, toi, pasteur, es-tu juste comme Corneille? Dans Actes 10, verset 4, lisons Actes 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Peux-tu être comme Siméon dans Luc 2, verset 25 à 30? Nous pouvons le lire, Luc 2, 25 à 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Alléluia. Voici votre neuvième heure. Le Seigneur vous appelle. La vérité qui te reste à aller au ciel est ta neuvième heure. Si les démons qui empêchent ta vie d'aller au ciel ne sont pas chassés, comment peux-tu aller au ciel? Mon frère, comment peux-tu aller au ciel, ma soeur? Daniel 10, verset 12 à 13 nous dit quelque chose. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Les démons ont empêché l'ange Gabriel pendant 21 jours. Et toi, pasteur, combien de temps penses-tu que tu es dans la main des démons? Sais-tu combien de fois la Bible a qualifié l'ange Gabriel
qu'il est comme ça et qu'il est comme ça. Il est un ange qui nous donne le message. Et toi, pasteur, penses-tu que dans ton état de péché, le Seigneur peut envoyer l'ange Michel pour te délivrer de la main des démons, de l'Apocalypse, par exemple, comme Apollon et Abaddon? Combien d'âmes conduis-tu au Seigneur? Combien d'âmes conduis-tu au ciel? Et malgré cet état, tu disperses encore les âmes au travers les calomnies, en les décourageant. Les démons suppliaient le Seigneur Jésus-Christ de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais lui demandaient pardon de les envoyer dans les ports afin qu'ils puissent rentrer dans la mer. Et toi, vas-tu te taire et laisse-les te posséder par ces démons? Comment peux-tu aller au ciel si tu es possédé par les démons qui demandaient pardon à Jésus-Christ? Tu rêves des femmes de nuit, des maris de nuit, des voyages nocturnes, tu manges avec les bons dans le sommeil, tu accouches des bébés dans ton sommeil, tu bégayes pour appeler le nom de Jésus-Christ dans ton sommeil, et tu veux aller au ciel dans cet état? Pose-toi calmement la question. Ne veux-tu pas te débarrasser de ces choses avant qu'il ne soit trop tard? Les démons disent qu'ils vont empêcher les chrétiens à aller au ciel en les possédant. Vous les avez entendus dire que quand on les chasse d'une personne, ils iront chercher cet autre démon plus puissant qu'eux et venir posséder cette personne afin que son état actuel, mais sa vie actuelle, soit plus pire que l'ancienne. La question est, est-ce que les démons qui sont en toi sont déjà chassés, pasteur? Ou bien, toi qui m'écoutes, es-tu déjà possédé par le groupe des sept ou l'alliance des sept aux démons? Ah, si cela en est ton cas, alors c'est grave. Mais sache-le qu'il y a de l'espoir pour toi. Regardons l'ange Gabriel qui a été bloqué pendant 21 jours par un démon. Si Dieu ne lui venait pas au secours, il serait là-bas aujourd'hui, ou bien au moment où Dieu lui envoyait l'ange Michel. S'il disait par exemple, « Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Dégage, ange Michel. » Il serait toujours là, encerclé par ces démons de la Perse. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie un homme pour te retirer de la main de pareils démons. Et tu refuses? Jean 14, verset 30 à 31. Lisons Jean 14, 30 à 31. Jean 14, 30 à 31 nous dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Il n'y a aucune propriété de Satan en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et toi, qu'en est-il de toi? Si Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de maison semblable à celle du Père des nations au ciel, ne pouvons-nous pas, nous aussi, amasser nos trésors au ciel? Matthieu 6, 19 à 21, Abraham avait la foi, mais aussi avec les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Lisons 2 Pierre 1, verset 5 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science à la tempérance à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous,
et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Aviez-vous ces choses du verset 9 en vous? Alléluia. Mais celui qui, la Bible nous dit dans le verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Êtes-vous aveugle ou bien voyez-vous? Alléluia. Ne soyons pas des aveugles. Alléluia. Romains 1, 28 à 32. Romains chapitre 1, verset 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, c'est-à-dire l'amour d'argent, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Tout ce que nous disons ne sont pas pour les Saphira et Ananias, mais pour les enfants de Dieu. Ananias et Saphira avaient le désir de faire ce que les gens faisaient, mais regardez ce qui est sorti de leur désir. Mais à ce qui concerne les espions, ceux qui veulent venir en état spirituel pour le séminaire, et ceux-ci sont invités à venir, la voie est ouverte pour eux. Certains ont porté certaines vestes et aujourd'hui sont possédés. Un exemple. D'autres ont porté certains pagnes mystiques et aujourd'hui sont possédés. Certains ou certaines femmes ont porté certains caleçons ou sous-vêtements, sont possédés aujourd'hui. Certains enfants ont mangé certains aliments dans les cantines scolaires et sont aujourd'hui possédés. Certains ont acheté au bord de la route et ont mangé et aujourd'hui sont possédés. Les docteurs de Satan ont injecté à certaines personnes à l'hôpital certaines choses et aujourd'hui ces gens sont devenus possédés. Certaines personnes, après avoir collecté des pièces ou billets d'argent trouvés par terre, sont devenus possédés. D'autres ont mangé certains aliments achetés dans les supermarchés. Et après, sont tous devenus possédés avec leur famille. Ne pouvez-vous pas venir chercher la délivrance? Est-ce que tu te souviens du nombre d'avortements que tu as commis? Sais-tu que ces enfants t'attendent? Nahum 1, verset 3. Tu fais la masturbation. Sais-tu les esprits qui sont derrière ces actes? Toi, à cet âge, tu pisses encore dans le lit. Sais-tu les esprits qui sont derrière? Sais-tu combien de richesses le diable a volé de toi ou bien a soutiré de toi? Viens, c'est maintenant le temps. Satan n'aime pas que les enfants de Dieu s'unissent. Mais le Seigneur a passé par le Père des Nations pour réunir certains pasteurs du Togo au Bénin et à Gbadjanaké au Togo. Et tout ceci fait mal à Satan aujourd'hui. N'aie pas honte du séminaire, car la Bible nous dit dans Marc 8, 38 que « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Plusieurs viendront du nord, du sud, alléluia, de l'est, à l'ouest,
on se racontera et on se connaîtra en Israël spirituel. Informez-nous avant de venir pour qu'on puisse venir vous conduire à l'endroit où se déroulera le séminaire. Le Seigneur nous a permis d'avoir 11 hectares de terrain. Là-bas, on pourrait prier en toute franchise sans déranger quelqu'un, comme ils aiment le dire. Alors, en venant, si le Seigneur a mis à votre cœur d'acheter une chaise, par exemple, pour le servir, faites-le. Un mégaphone, une petite tente de camping ou des tentes de camping, des groupes électrogènes, des sacs de ciment, des clous, des machines à scie, des tondeuses de gazon, des visseuses, des tracteurs, faites-le pour sa gloire. Alléluia. 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 Attention, vérifiez qu'il n'y ait pas des signes ou symboles sataniques ou 666 sur les articles que vous voulez acheter. Acte 2. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Attention, la Bible ne dit pas qu'ils vendaient leurs biens et donnaient l'argent aux apôtres et eux mettaient l'argent ou bien ses sous dans leur poche, mais que les produits sont partagés entre tous. Personne n'appelle plus ce qui lui appartient sa propriété. Alléluia. Dans le livre de 1 Chronique 29, 14 à 17, le roi David donnait tout à Dieu parce qu'il savait que tout ce qu'il avait venait de lui, Dieu le Tout-Puissant. C'est-à-dire que c'est Dieu qui était l'auteur de tout ce qu'il possédait. Alléluia. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Genèse 41, verset 49. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Colossiens 3, verset 23 à 25. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour leur récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Vos œuvres ne seront pas vaines. Le Seigneur va vous rendre au centuple pour tout acte de charité que vous exercerez pour son royaume. Ceux qui ont des permis de conduire propres, je dis bien que ceux qui ont des permis de conduire propres, je dis bien propres, irréprochables, peuvent les amener si leurs équivalences sont valables en Israël spirituel. Leur utilité peut s'avérer nécessaire et utile. Alléluia. Dans certaines vidéos dans le passé, le Père des Nations vous avait annoncé que MoneyGram avait stoppé les services de transactions à leur faveur et que dorénavant, ceux qui désirent faire des transactions le fassent au travers RIA ou Western Union. À compter de ce jour, MoneyGram a de nouveau enlevé ses barrières et de nouveau accepte rendre service. Pour ceux qui ont à proximité ou à voisinage MoneyGram, peuvent de nouveau se diriger vers ceux-ci pour faire leurs transactions. Le Père des Nations rappelle aux femmes et jeunes filles
de bien suivre le programme. Et si quelqu'un voit que la période qu'elle doit venir participer au séminaire tombe sur cette période de menstruation ou d'impureté, immédiatement qu'elle s'abstient ou réorganise son déplacement. Là-bas, on n'a pas de scanner pour contrôler les gens, pour voir si elles sont dans leur temps de menstruation ou d'impureté. Qu'elles soient honnêtes, que toutes les femmes soient honnêtes. Nous devons obéir à Dieu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, aux États-Unis ou d'ailleurs, la règle est de même pour tous. Tu ne peux même pas sortir, embrasser les gens jusqu'à aller s'asseoir dans le camp du Seigneur. C'est très, très, très capital. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit dans Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Alors, gardons les commandements du Seigneur Jésus-Christ si réellement nous l'aimons. Les abeilles restent ensemble pour faire une ruche et avoir un bon miel qui contient toutes les vitamines du monde. De même va pour les fourmis qui construisent et qui chassent ensemble. Allons-nous laisser les abeilles et les fourmis faire plus que nous? Non, c'est maintenant le moment. Maintenant, nous allons suivre en intégralité le programme du séminaire. Vous devez vous situer et en fonction de votre situation, c'est-à-dire au groupe d'appartenance, faire votre programme. Le programme débute le 15 août et s'achève le 21 septembre 2018, année grégorienne. Le Seigneur vous bénisse en abondance. Le Père des Nations, l'apôtre Douflé Gabriel. Shalom, shalom, shalom. Alors, suivez le programme. Thank you.
pas en est pas bien gagné. J'ai prié, près de là. Alléluia. Mais y'a aussi, oh,
Jesus.
famille prête pas en larmes. Papa, on reprend ton nom. Maman, le papa. Jesus. Papa, vous vous prenez journal topo. Yes, vous êtes là. Attends, laisse la tienne. Amen. Ma fille, c'est mon vieux, là. Santa, un vieux, hein. Voilà, vous pouvez y aller. Mon vieux, quoi, non, tu. Le Santa, un vieux, va. Amen. Tu peux venir nous faire le cas. Yes, vous êtes là. Amen. Appelons, mes amis, tu. Amen. Mon vieux, vous pouvez tous vous qu'il y a. Amen. Il n'y avait pas sur la cité à éteigner. Il y avait cher capteur à cité éteigner. Il y avait présent à cité éteigner. Bon, tu as dit que tu es ton tien. Mais voici que là, tu as dit que tu es mon père. Vraiment, on vieux voit, il y a la peine. Toi, tu n'as pas de mal. Non, nous sommes. Non, nous sommes.